Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement comment overclocker l'écran. Simplement, par exemple, moi mon écran sur mon PC portable, mon écran Toshiba tout simplement, de mon PC portable, tout simplement est à 60 Hz. Et on va apprendre aujourd'hui comment l'overclocker si possible. Car des fois ce n'est pas possible d'overclocker l'écran, mais. Et des fois, au contraire, c'est possible. Donc aujourd'hui, nous allons simplement nous voir dans cette vidéo pour tout simplement comment overclocker l'écran. Donc, le premier truc que vous devez faire si vous voulez overclocker votre écran. Si vous êtes sous Intel ou Nvidia, vous êtes simplement dans les... Vous faites clic droit et propriétés graphiques, enfin, panneau de configuration pour paramètre quoi. Moi par exemple je suis sous Intel, j'ai sur mon PC portable, comme vous pouvez voir je suis à 60 Hz. Et ma carte graphique sur ce PC ne contient que 128 MO et a aussi comment que ça s'appelle, c'est un... Ah, je sais pas comment vous l'expliquer. Mon PC, sa carte graphique dessus, c'est un mobile, c'est un Intel mobile, Intel R4 série, enfin c'est un chipset quoi. Et ma carte graphique, c'est un mobile Intel, j'ai même un bref. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser là. Ce qui va nous intéresser, c'est l'écran. Tout d'abord, si vous pouvez mettre à jour, vous allez dans propriété et voilà, pilote, et mettre à jour, ou alors tout simplement utiliser Driver Booster comme je vous l'avais montré une fois dans une des vidéos que j'ai faites. Et si vous pouvez pas passer par là, et ben vous allez tout simplement soit aller sur votre panneau de configuration Intel, aller dans écran. Vous allez aller tout simplement dans amélioration des couleurs ou... Enfin, je sais plus, mais... Ah si, voilà. Résolution personnalisée, vous allez là tout simplement. Vous mettez 32 bits, obligatoirement, ça c'est clair. Sinon, vous pouvez pas faire ce que vous avez. Vous choisissez, vous regardez ici, c'est quoi ce que vous pouvez mettre comme au maximum comme la résolution. Par exemple, moi c'est 1280 x 800. Mais si par exemple vous c'est 1024 fois je sais pas combien, vous faites. Et à partir de là, on va devoir essayer d'overclocker notre écran. Ne mettez pas à 120 Hz directement par exemple si vous voulez mettre votre écran en 100 quelques Hz. Alors que vous êtes à 60 Hz, vous allez le bousiller directement. Vous allez devoir faire tout simplement comme moi, étape 1 par 1. Moi par exemple, je suis à 60 Hz. Je vais essayer à 61. Je sais que sur cet écran, je peux pas overclocker car l'écran est déjà overclocké un petit peu de base. Pas overclocké, mais de base, je peux pas l'overclocker. Par contre, l'écran de mon PC Gamer, je peux l'overclocker. Mais je vais quand même essayer de vous montrer. Ajouter. Oui. Voilà, comme je vous disais, moi par exemple, je peux pas, mais vous par exemple, vous pourrez théoriquement, vous pouvez overclocker votre écran, et vous pouvez aussi choisir l'écran que vous voulez overclocker. Il y a aussi une deuxième technique pour overclocker votre écran, c'est tout simplement aller dans les panneaux de configuration. Donc comme je vous l'ai dit, vous devez aller dans panneau de configuration, modifier la résolution d'écran, et vous allez dans paramètres avancés. À partir de là, vous allez tout simplement dans propriétés, vous allez ici, et vous allez dans propriétés, ah non, désolé, je me suis trompé. Attendez, c'est où Jack Foy? Carte. Ah si, voilà. Alors, vous allez dans carte, lister tous les modes. Vous cliquez dessus.
Puis là, comme vous pouvez le voir, ici vous avez un tas de résolutions. Vous pouvez donc régler votre résolution maximale qu'il y a là. Vous allez simplement vous n'avez pas le plus bas possible. Moi par exemple, par défaut, il est en 1280x800, 32 bits, 60 Hz. Je ne peux pas l'augmenter plus haut. Mais vous, si par exemple vous êtes en 800x600, c'est une résolution assez nulle. Mais si vous pouvez, si vous êtes là par exemple, vous montez et vous choisissez votre résolution. N'abusez pas, n'abusez vraiment pas, car la résolution que vous allez choisir, si vous faites mal, vous aurez peut-être des petits problèmes au niveau de l'écran ou de votre carte graphique qui surchauffe trop. C'est pour ça que je vous dis, n'abusez pas. Si vous êtes à 60 Hz, je vous conseille d'être à 65 ou à 70 Hz. Ça sera largement suffisant et vous aurez overclocké de 10 Hz. Comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour simplement ceux qui ont un écran, par exemple, un écran simplement banal, un peu qu'on achète au magasin pour par exemple 30 euros, mais pour 70 euros souvent, et qui sont pas très très puissants souvent. Et les écrans que vous achetez qui sont pas hyper puissants, souvent, si vous passez par la caisse d'overclock, comparé à une carte graphique, ça risque pas de surchauffer votre écran. Et puis, si votre écran ne surchauffe pas, c'est une bonne nouvelle si simplement vous overclockez votre écran, vous pouvez gagner des FPS sur Minecraft par exemple, ou alors sur n'importe quel jeu. En overclockant votre écran, vous passez de simplement, vous verrez une très grande différence. Par exemple, si vous voyez par exemple ça bug. Si par exemple je mets une vidéo que je mettrai peut-être à l'avenir. Si par exemple vous voyez cette vidéo qui bug un petit peu, par exemple si vous passez à 70 Hz, vous pouvez voir une très très grande différence théoriquement. Vous pouvez en voir une. Peut-être pas forcément en voir une, mais vous pouvez en voir une. Enfin voilà. Donc sinon, c'est tout pour cette vidéo. Et puis je fais cette vidéo pour vous aider si vous avez simplement besoin d'avoir cliqué votre écran. Donc sinon, si vous aimez ou vous aimez pas, peu importe, vous choisissez après tout, c'est votre choix, comme je le dis toujours. Je vous dis simplement, comme dans toutes les vidéos, bye et à une prochaine vidéo.